J'ai rejoint le projet Tour Mohamed VI il y a de ça 19 mois, à l'époque où nous commencions l'exécution des fondations profondes. Comme vous le voyez, nous en sommes aujourd'hui bien plus loin. Le noyau en béton de la tour en est au 6e étage et le tambour en béton qui accueillera la charpente métallique est en cours de finalisation. La charpente métallique qui constituera l'enveloppe extérieure de la tour et qui accueillera les façades débutera d'ici 2 semaines. À partir de ce moment-là, nous pourrons voir la forme et le volume de la tour qui commencera à s'ériger dans le ciel de Rabat. Colliers International Maroc intervient sur le projet de la tour Mohamed VI en tant qu'assistant maître d'ouvrage. Notre rôle consiste à gérer et coordonner l'ensemble des intervenants sur site. L'effectif actuel est de 700 personnes et sera amené à évoluer dans les prochaines semaines. Pour les travaux de la tour, le noyau a été coulé jusqu'au niveau 6e étage et le rythme de croisière a atteint un niveau d'un étage par semaine. Pour la partie socle, les travaux de fondation ont été finalisés et les élévations sont coulées à hauteur de 40%. Les premiers éléments de la charpente métallique ont été livrés sur site et ont suivi un contrôle qualité rigoureux. Et justement aujourd'hui, nous sommes arrivés aux prémices des premiers travaux de charpente métallique et comme vous le constatez derrière moi, les premiers stocks des éléments charpente métallique viennent d'arriver. Ces stocks-là ont suivi un contrôle rigoureux, que ce soit en usine, aux Émirats Arabes Unis, mais également ici sur chantier. Et sur le long du projet, ces éléments-là, au fur et à mesure du montage, vont subir non seulement des contrôles visuels, mais aussi ce qu'on appelle des CND, des contrôles non destructifs, pour vérifier la conformité de la mise en œuvre au cahier de charges et aux exigences d'un projet tel que le projet de la tour Mohamed VI. Nos prestations couvrent essentiellement le génie civil, la géotechnique, l'hydrogéologie et la charpente métallique. Nous travaillons étroitement avec les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les gestionnaires de patrimoine immobilier et d'infrastructures. Pour ce projet-là, nous puisons essentiellement dans les ressources de notre laboratoire des longs cours, qui est le laboratoire central principal de Ginger CEBTP. Nous avons également une équipe locale, nationale, d'ingénieurs et de techniciens qui ont été formés et qui sont expérimentés dans les missions du contrôle extérieur. Donc notre mission sur ce projet pourrait être scindée en deux grandes parties. Donc d'un côté, vous avez une mission de supervision géotechnique d'exécution, qu'on appelle aussi mission G4. Et de l'autre côté, nous avons une mission de contrôle extérieur laboratoire. Donc nous avons été mandatés par le maître d'ouvrage pour suivre l'application du plan d'assurance qualité des différentes parties prenantes du côté du constructeur. Et ce, on mobilise encore une fois notre équipe d'experts, d'ingénieurs et notre laboratoire d'essai installé ici sur chantier.
la visite de Monsieur le Président, qui a tenu à vérifier de lui-même l'avancement des travaux de la tour Mohamed VI. Et il a pu constater aujourd'hui donc, que le noyau central est actuellement au niveau du 7e étage. On constate également l'avancement du voile en béton périphérique sur lequel la charpente métallique viendra se reposer pour la continuité des plateaux. La charpente est en partie livrée sur le chantier et va commencer à être mise en œuvre sur place courant du mois d'octobre.